Je me sens uni avec vous ce matin, en ce dimanche des rameaux. Vous qui êtes seuls ou en famille, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Agis en moi, rassure-moi de ton amour, déverse ta paix dans mon cœur, inonde-moi de ta présence. Je vous lis un extrait du psaume 86, une prière de David. Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Mon Dieu, je suis ton ami fidèle, protège-moi. Je suis ton serviteur, j'ai confiance en toi, sauve-moi. Aie pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Moi, ton serviteur, je me tourne vers toi. Seigneur, verse la joie dans mon cœur. Seigneur, écoute ma prière, sois attentif à ma plainte. Quand je suis très malheureux, je fais appel à toi et tu me réponds. Seigneur, parmi les dieux, personne n'est comme toi. Aucun dieu ne peut faire ce que tu as fait. Tous les peuples que tu as créés viendront. Ils se mettront à genoux devant toi. Seigneur, ils te rendront gloire. Tourne-toi vers moi. Aie pitié de moi. Je suis ton serviteur. Donne-moi ta force. Sauve-moi. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je
toi. Tu te souviens, Seigneur, un jour je t'ai dit, je veux te servir, t'aimer de plus en plus, te suivre toujours. Mais voilà le temps a passé, je me suis fatigué, le chemin est trop dur, je n'en peux plus. Tu sais, Seigneur, combien je désirais te parler, t'écouter, passer de longs moments avec toi. Mais voilà, je n'ai plus rien à te dire et je n'entends même plus lorsque tu viens me parler. J'ai cru pouvoir te connaître, te saisir, mais j'ai oublié que c'est toi qui t'es approché de moi et qui es venu me prendre dans tes bras. Je me voyais si différent des autres qui vivent sans toi. Je me croyais bien meilleur qu'eux, et voilà que ce sont eux qui m'apprennent tant de choses. Je voulais embrasser le monde, aimer tous les hommes, faire de chaque être mon frère, lui donner un peu de ton amour, mais voilà, je ne sais plus ce que veut dire aimer. Je ne sais plus donner, je n'ai plus rien à offrir. Je voudrais crier, implorer ton pardon, mais les mots ne viennent pas. Je ne peux rien te promettre, je n'ose même plus te dire que je t'aime. Pourtant, Seigneur, aujourd'hui encore, je veux ouvrir les mains vers toi et te dire tout doucement, tout simplement, tu as payé sur la croix, Jésus, tu t'es donné pour moi, je mets ma confiance en toi, je me donne à toi, mon roi. Chantons ensemble, je loue ton nom, Éternel. Joie, tu vis en moi. Quelle
Écoutons quelques versets tirés de l'évangile de Jean au chapitre 12. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et y vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu ! Que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël !» Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. » Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare sort de là » et quand il l'a réveillé de la mort. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout ton âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes à moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit.
ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Chers auditeurs, chers amis, le dimanche des Rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien, le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Il commémore deux événements. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage. Épisode relaté dans les quatre évangiles. D'autre part, la passion du Christ et sa mort sur la croix, d'où le nom actuel de célébration des rameaux et de la passion. Ce matin, j'ai une pensée toute particulière pour mes confirmants qui devaient animer ce culte en l'église de Wolfskirchen. Je pense aussi aux choristes qui ont répété pour apporter au culte un aspect festif. Une pensée va aussi au groupe de louanges qui, dimanche après dimanche, nous entraîne dans une louange, une reconnaissance et une adoration envers Dieu. Sans oublier Marie-Louise, notre organiste fidèle et dévouée depuis de longues années. Ce matin, je m'adresse à toutes celles et ceux qui sont malades, à celles et ceux qui sont seuls, qui sont inquiets pour leur santé ou celle d'un proche, ceux qui sont à l'hôpital, en structure ou à leur domicile. Sachez que vous n'êtes pas seuls
et que nos prières vous accompagnent. Nous souffrons avec vous, comme le décrit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Il compare l'Église à un corps avec ses différents membres. « Si une partie du corps souffre, dit-il, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. » Chers auditeurs, chers amis, les reportages à longueur de journée, les images, les témoignages expriment les difficultés à gérer cette crise mondiale. Tous les jours, les responsables de la santé nous annoncent le nombre d'hospitalisations, d'admissions à l'hôpital, en réanimation, de transferts de malades, le nombre de décès, mais aussi le nombre de guéris. Ces images nous troublent, nous font peur. Par ailleurs, les critiques, les jugements et les actes de malveillance se multiplient. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la verbalisation est la règle et le silence l'exception. Nous vivons au milieu d'un torrent de mots, si bien que la valeur du silence nous échappe le plus souvent. Pour beaucoup, le silence fait peur. C'est une sorte de néant, de vide oppressant. Et nous vivons ce silence actuellement. Dans la tradition occidentale, le silence est l'outil de l'apprentissage. Faire silence, c'est écouter. C'est se rendre disponible à la parole de l'autre. C'est aussi se rendre sensible à ce qui se passe au-delà du langage. L'élève est silencieux parce qu'il doit apprendre. Le silence est une ressource extraordinaire, une nourriture qui apaise. Lorsqu'on cherche les mots pour encourager, supporter ou consoler, pourquoi ne pas inviter le silence? Lui seul peut atteindre dans son essence le cœur et l'âme de l'autre. Rappelez-vous, disait quelqu'un, que le silence est parfois la meilleure des réponses. J'aimerais partager avec vous ce matin ce témoignage, entretien avec le silence. À l'âge de 16 ans, j'ai pris rendez-vous pour la première fois avec le silence. C'est en désespoir de cause que j'ai été à sa rencontre à la suite d'une épreuve. Ne sachant où donner de la tête, ayant l'impression que tout mon univers s'écroulait, me sentant rejeté et abandonné, je décidai d'aller me réfugier dans un monastère, là où je pourrais me sentir protégé et entouré. Aucune fuite possible. Quel choc terrible m'y attendait. Me retrouver en silence face à moi-même, en l'absence du bruit et des distractions habituelles, avec pour seule compagne le temps qui me semblait plus avoir de référence. Les 48 premières heures me parurent une éternité. Le temps semblait s'être arrêté. J'avais l'impression de voir surgir des images et d'entendre des sons insolites. Je me sentais au bord de la folie. Puis le passage se fit et les résistances tombèrent. Je fis mon entrée sur le doux territoire du silence, un lieu d'inspiration, de paix et de compassion. Cet environnement de silence permit à mon esprit de contemplation de s'élever au-dessus de la douleur, du sentiment de trahison et d'abandon et du désir de posséder l'être humain. Et doucement, tout fondit dans le temps. Ce témoignage, chers amis, nous rappelle la valeur du silence. Le confinement que nous vivons bouleverse notre quotidien. Changement de programme, gérer différemment notre temps, temps pour lire, pour méditer, redécouvrir la création dans toute sa beauté, écouter le chant d'un oiseau,
redécouvrons la valeur du silence. Je relisais cette semaine le livre du prophète Daniel, qui dans sa fonction, dans toutes ses responsabilités, a trouvé le temps pour le silence et la prière, et ceci 3 fois par jour. Le roi a l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs se sont réunis, jaloux de Daniel. Et voici le conseil donné au roi. Tu devrais publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelque d'autre que toi, à aucun autre Dieu ou être humain. Si quelqu'un le fait pendant ce temps, il devra être jeté dans la fosse aux lions. Quand Daniel apprend que le roi avait signé cette loi, il entre dans sa maison. À l'étage supérieur, il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ce jour-là, nous dit le texte, il agit comme les autres jours. Un temps de silence, un temps de prière et un temps de louange. 3 fois par jour, les cloches de notre Église appellent au silence et à la prière. 6 heures, midi, 20 heures et actuellement à 18 heures. Quel est le temps consacré à la prière? 3 fois par jour, tout s'arrête aussi sur la colline de Thésée, ce lieu de rencontre international. Les cloches appellent à l'Église pour prier. Des centaines, parfois des milliers de jeunes de pays très divers à travers le monde prient et chantent avec les frères de la communauté. La Bible est lue en plusieurs langues. Au centre de chaque prière commune, un long temps de silence et un moment unique de rencontre avec Dieu. Si nous nous laissons guider par le plus ancien livre de prière, les psaumes bibliques, nous y trouvons 2 formes principales de la prière. D'une part, la lamentation et l'appel au secours, et d'autre part, le remerciement et la louange. Et de manière plus cachée, il y a un 3e type de prière, sans supplication ni louange explicite. Le psaume 131, par exemple, n'est que calme et confiance. Je tiens mon âme en paix et silence. Mets ton espoir dans le Seigneur dès maintenant et à jamais. Parfois la prière se tait, car une communion paisible avec Dieu peut se passer de mots. Je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère, telle est mon âme en toi. Comme un enfant sevré auprès de sa mère qui a cessé de crier, telle peut être mon âme en moi, en présence de Dieu. Alors la prière n'a pas besoin de paroles, peut-être même pas de réflexion. Mais comment parvenir à ce silence intérieur? Parfois nous nous taisons, mais au-dedans nous discutons fort, nous confrontant avec des partenaires imaginaires ou luttant avec nous-mêmes. Tenir son âme en paix suppose une sorte d'humilité et de simplicité. Faire silence, c'est reconnaître mon impuissance face à tel événement ou telle épreuve. Faire silence, c'est laisser à Dieu ce qui est en dehors de ma portée et de mes capacités. Un moment de silence, même très bref, est comme un repos sabbatique, un saint arrêt, une trêve de soucis. L'agitation de mes pensées peut se comparer à la tempête qui secoua la barque des disciples sur la mer de Galilée, alors que Jésus dormait. À nous aussi, chers amis, il arrive d'être perdus, angoissés,
incapables de nous apaiser nous-mêmes. Mais le Christ est aussi capable de venir à notre secours. De même qu'il menaça le vent et la mer, et qu'il se fit un grand calme, il peut aussi calmer notre cœur quand il est agité par la peur ou par les soucis. Faisant silence, nous mettons notre espoir en Dieu. Un psaume suggère que le silence est même une forme de louange. Et nous lisons habituellement le premier verset du psaume 65, « La louange te convient, ô Dieu ». Cette traduction suit la version grecque, mais l'hébreu lit dans la plupart des Bibles « Le silence est louange pour toi, ô Dieu ». Quand cessent les paroles et les pensées, Dieu est loué dans l'étonnement silencieux et l'admiration. Et quelqu'un disait, et c'est un proverbe bulgare, « Le silence irrite le diable ». Le silence est l'élément dans lequel se façonnent les grandes choses. Le silence de l'homme, mais qu'en est-il du silence de Dieu ? Dieu est-il indifférent à notre situation, à tous ces cris de détresse, de pleurs et de larmes, à toutes ces situations de souffrance, d'angoisse et d'incertitude? Loin de là. Récemment, une journaliste a interpellé Thierry Le Gall, directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Voilà la question qu'elle lui a posée. Certains s'interrogent sur le fait que des chrétiens aient été touchés. Dans des commentaires sur les réseaux sociaux, on voit certains demander « Mais où est donc votre Dieu ? Avez-vous une réponse ?» Et voilà la réponse de ce directeur du centre pastoral du CNEF. Dieu est là dans la souffrance. Dieu est là dans le silence de celui qui souffre. Dieu est celui qui console, qui guérit des cœurs, qui calme les angoisses. Je vois que la prière est aujourd'hui primordiale dans la situation que nous vivons. Il y a un grand nombre de prières qui montent vers Dieu partout dans le monde, y compris de la part des personnes qui n'ont pas l'habitude de prier parce que Dieu est là. Il nous laisse la responsabilité de la gestion du monde. Il nous laisse la responsabilité de la gestion de nos états et la manière aussi dont nous gérons la création, le règne animal et le règne végétal. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations précises pour dire d'où vient cette épidémie. Quelle est son origine précise? Ce que je crois, c'est que Dieu, lui, le sait. Mais en tout cas, il est là pour porter secours, pour consoler le cœur de ceux qui souffrent. Il reste à l'écoute. Le silence. Le silence nous prépare à une nouvelle rencontre avec Dieu. Dans le silence, la parole de Dieu peut atteindre les recoins cachés de nos cœurs. Faisant silence, nous cessons de nous cacher devant Dieu, et la lumière du Christ peut atteindre, guérir et transformer nos cœurs. Dans le silence, nos cœurs sont conquis par l'Esprit Saint. Alors, chers auditeurs, chers amis, et si ce confinement que nous vivons actuellement était l'occasion de se rapprocher de Dieu en faisant silence? D'ailleurs, un des sens du verbe confirmer, confiner et être proche d'eux. Et si aujourd'hui, Dieu te semble absent, silencieux et loin, il faut te poser la question, qui de vous deux s'est éloigné de l'autre? Apprenons à faire silence devant Dieu, car plus l'âme a reçu dans le silence, plus elle peut donner
dans l'action. Seigneur, en silence, je suis devant toi. Ô, rends ta présence sensible à ma foi. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, instruis-moi. Montre-moi la route. Seigneur, conduis-moi. Faisons silence et rendons grâce parce que nous pouvons dire aujourd'hui et tous les jours de notre vie, Abba, Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Unissons-nous dans la prière. Sois avec nous, Seigneur, alors que la crise sanitaire que nous traversons nous empêche de nous réunir. Nous nous retrouvons dans la prière, chacun depuis son domicile.
Dieu notre Père, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, Sauveur et Seigneur. En Jésus, tu es venu partager nos vies d'hommes, de femmes, d'enfants. Tu as tout connu de notre vie humaine. En Jésus, tu as choisi d'être avec nous. Sois avec nous, Seigneur, alors que notre monde est frappé par un virus ravageur. Au cœur de cette tourmente, aide-nous à découvrir ta présence à nos côtés. Sois avec nous et sois auprès des personnes malades, des personnes isolées, des familles qui ont perdu un proche. Sois avec nous et sois auprès des médecins, des chercheurs et de tout le personnel soignant qui se démène jour et nuit pour combattre la maladie et sauver des vies. Sois avec nous, Seigneur. Par ton Esprit Saint, tu crées entre nous un lien tellement fort qu'il nous unit même lorsque nous sommes loin les uns des autres. Nous te prions les uns pour les autres. Nous te prions pour les frères et sœurs de notre paroisse. Garde-nous dans cette communion de prière et d'amour. Sois avec nous et soutiens-nous dans notre marche vers Pâques. Apprends-nous à ne pas avoir peur de la croix, mais à la porter avec courage et confiance. Apprends-nous à marcher avec toi jusqu'à la lumière du ressuscité qui nous précède, nous accompagne et nous illumine déjà. Et c'est ensemble que nous disons cette prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez également suivre le culte du Vendredi Saint. Ce sera un culte avec Sainte-Cène. Si vous voulez vivre ce moment, soit seul ou en famille, veuillez préparer le pain et la coupe et nous vivrons ce moment ensemble. Plaçons-nous maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. Que notre Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille. Qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction. Qu'il vous donne sa joie. Notre Dieu, à toi seul, soit le règne et la gloire. Et que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur te donne force et courage. Amen.
une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. À chacune et chacun, un bon dimanche, une bonne semaine. À bientôt. Shalom.